Tradition de l'Élanais et la foule fidèle de l'église anglicane Cécile s'y rassemblée de la cathédrale Saint-Paul pour suivre l'homme-messe beau matin. L'homme-messe est célébrée par Père Daniel Calais. De son serment, Père Calais dit qu'un nouveau l'année il signifie un nouveau commencement et il devrait donner un changement de mentalité tout du monde pour capable faire qu'il y ait un changement de la famille, communauté et pays en général. Aujourd'hui, les nous joignent les 1er janvier ici dans l'église. Dans le coin Pélétan, il y en a beaucoup de bonnes familles pour rassembler, pour célébrer ça l'occasion. Et déjà, les nous joignent en 2012, tout ça qui nous passait en 2011, nous finissons derrière. Pas vrai? Aujourd'hui, il y a un nouveau jour dans un nouveau année, une nouvelle saison. Un nouveau l'étang, il finit commencer depuis hier minuit. 2012, on a besoin de parler dans réflexion, dans vos homework, on a besoin de parler pour changer. On a besoin de parler pour reprendre de nouveau la force. À cause, si nous ne faisons pas ça comme parents, ben, pour avoir quand c'est des problèmes pour arriver avec nos enfants. Nous, nos enfants, pour quitter nous par derrière, ils ont perdu devant et nous restons derrière. Il est important nous proactifs comme parents, il est important nous proactifs comme man zélé, comme man student, comme man di moun qui peut travailler pour nous adapter et que sa nouvelle année qui commence. Père Calais aussi fait ressortir que le 1er janvier, il sera le temps que di moun rassemble en famille pour résoudre et accueillir sa nouvelle année ensemble. Alors, il dit qu'il y a un nouveau quelque chose, une nouvelle pensée et une nouvelle résolution qui besoin pour en place dans la famille. Et ça, ici, tout pendant la réconciliation entre bonne maman famille, qui nous fassent et camarades. Nous pas capables de continuer pas causer camarades. Nous pas capables de continuer fasser. Nous pas capables de continuer diviser. Nous pas capables de continuer pour la guerre. Aucune famille qui divisée pas pour tenir. Alors, aujourd'hui, il y a une opportunité. Il y a une nouvelle saison en famille. Aujourd'hui, nous allons demander pour mettre tout ça qui est mal de côté et à nous recommencer à nouveau. Ou ses enfants qui ne fassent qu'aux parents, ou maman ou papa, ou papa cause avec lui. Peut-être pendant un an, on pas cause avec lui. Aujourd'hui, ça jour. Pour commencer à nouveau. Et ou frère, sœur qui pas cause, ou voisin qui pas en bon terme. Dans nos traditions créoles, nous avons dit bonjour, nous avons souhaité l'année aujourd'hui, pas vrai? Alors, il est important qui se manque quelque chose qui nous fait, il passe symbole, il besoin d'une réalité, il besoin d'une dans la pratique, nous la vie. Aujourd'hui, pour le 1er janvier 2012, nous besoin faire nos familles vienne une priorité pour nous pour l'année 2012. Nous besoin faire nos familles vienne une priorité pour nous. Voilà thème qui moi quitte avec vous dans votre réflexion. À cause c'est là qui tout quelque chose y prend place. C'est là qu'on tient un succès un pays, la force un pays. C'est là qu'on tient un enfant intelligent. C'est là qu'on tient un guérison. C'est là qu'on tient un tout quelque chose y prend place. Et si là quelque chose y mal, quelque chose pas pour bien. Ça l'église, c'est puis aussi célébrer jour que Jésus est gagné son nom. Et Père Calais dit qu'il souhaitait qu'il dans la famille, non Jésus, il va gagner mettre par là tout quelque chose qu'ils ont fait, quand il y avait un plus réconciliation, plus bonne décision qu'il prend, plus l'amour, solidarité et l'unité. Service très, très joli. Pareil d'habitude, moi, à mon père, donne un bon service. On commence à nouveau l'année avec un lamesme, quoi. Très bon. Commence à l'année avec un lamé, ça cause au besoin. Dis bon Dieu merci pour l'année qui nous passé et tout ça qu'on arrivait à faire et demander la grâce pour ça l'année qui finit arriver là. La solution c'est pour le travail, pour nos pays, nos familles et tous les autres qui nous livrent, pour prier pour les autres. Surtout si nos bonnes familles qui sont en détresse, surtout si ça des PC qui loin, pour nous continuer à prier pour que ça soit retourné parmi les autres familles. Les gens, c'est bon Dieu. Je veux remercier bon Dieu pour ça l'année qui nous passe et remercier pour ça un nouveau qui nous peut entrer là-dedans, un nouveau année. Qui, pour moi, il y a un bonheur, prospérité, pas juste pour moi, c'est pour tout le monde, pour ma famille, pour la santé, mon pays, quelque chose avec un peu plus devant, un peu plus bien.